Violence à l'université Nangui à Brogoua. Les étudiants renouent avec les affrontements. Le départ nouveau prôné par la tutelle n'a pas été entendu. La FESI et le CEEC sont pointés du doigt. On a vu les bandits des FESI aller vers les amphis F des SFA. Depuis hier, il y avait des barbaries sur le campus. Les bandits des FESI et des CEEC se sont bagarrés. Comme on l'a dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. En fait, le véritable problème, pas de l'université de Cocody. En fait, ce qui s'est passé lors de la visite du ministre Bakourou, les éléments de la CEEC accusent la FESI. Selon cet étudiant, il s'agit plutôt d'un voleur. On a vu des gens qui couraient de gauche à droite. Et il y a eu des gens parmi eux qui voulaient les portables des jeunes filles, les portables des jeunes garçons. Là. Et c'est comme ça, lui, il a pris le portable d'une fille. Courage. Et le courage. Oh, dans son sac, il avait les bouteilles cassées. Il a dit spécialement qu'il était venu pour agresser même sur le campus. Ces faits sont survenus ce vendredi alors que les autorités universitaires donnaient une conférence de presse sur les violences estudiantines de jeudi à l'université Nangui à Brogoua. Des violences qui ont fait plusieurs blessés graves. Les premières perturbations et les faits de violence sur notre campus ont commencé avec le CEEC. À sa suite, en termes de violence, la FESI a commencé aussi ses activités. Pour le compte du CEEC, ce syndicat a mobilisé les étudiants pour revendiquer le départ des femmes qui servent de la nourriture aux étudiants dans les gargotes de notre institution, pour que celle-ci soit remplacée par le Centre régional des œuvres universitaires. Le CEEC a encore mobilisé les étudiants devant la vice-présidence pour réclamer l'ouverture des toilettes alors que les autorités de l'université avaient déjà pris des dispositions pour que cela soit fait. Le 16 avril 2013, ce syndicat a perturbé les enseignements sur le campus au motif que les laboratoires n'étaient pas fonctionnels. Les délégués d'amphithéâtre, qui à cette date ont voulu les sensibiliser, ont été sévèrement violentés, bastonnés et leurs effets détruits. Le 16 mai 2013, il y a eu donc une bagarre extrêmement violente avec des blessés graves, encore une fois, entre le CEEC et la FESI. Les choses n'en resteront pas là, selon le vice-président de l'université Nangui à Brogoua. Des sanctions disciplinaires sont prévues, allant de la suspension des auteurs de ces actes à leur radiation.